إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue بإذن الله تعالى l'explication, ou plutôt cette série de cours qui va donc reposer sur tout ce qui concerne la famille et qui est donc que l'on a appelé l'ornement précieux des époux vertueux. On a vu les cours derniers comment le musulman pratiquait et appliquait les sunnans du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à même dans cette première nuit, la nuit des noces, la première nuit qu'il va passer donc avec son épouse. Et on a vu donc ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait de par ses gestes et de par ses paroles. Et il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il avait passé donc cette nuit de noces, qu'est-ce qu'il faisait le matin? C'est-à-dire que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait un acte le matin lorsqu'il avait donc passé cette nuit de noces. Et c'est ce qui nous est précisé dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Nasa'i et qui est un hadith authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a eu donc, où il a passé cette première nuit avec Zainab radiallahu ta'ala an, awlama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha bana bi Zainab fa ajba' al muslimin khubzan wa lahman. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam le matin même? Il a fait donc cette walima, ce repas que l'on a donc déjà expliqué et qui est le walima. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pratiqué le matin même, donc, de cette nuit, la nuit des noces. فَأَشْبَعَ الْمُسْلِمِينَ خُبْزًا وَلَحْمًا. Il a donc rassasié les musulmans de par le pain et également la viande. Donc, bien entendu, ceux qui ont assisté à cette walima. ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَ. Et ensuite, il est sorti pour voir et aller auprès des mères des croyantes. Il leur donc passait le salam. وَدَعَ لَهُنَّ. Et il leur a fait des invocations en leur faveur. وَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ وَدَعَوْنَا لَهُ. C'est-à-dire donc que elles ont répondu le salam et elles ont invoqué pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ صَبِيحَةَ بِنَائِهِ. Et il faisait donc cela le matin, donc, Albina, on veut dire par là, bien entendu, et ce terme veut dire tout simplement la première nuit des noces, ou plus précisément, cette relation qu'il a eue, donc, ou cette première relation qu'il a eue avec son épouse durant cette première nuit. Donc, il faisait cela le matin, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. فَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ صَبِيحَةَ بِنَائِهِ. Donc, il faisait cela le matin même. Ça, donc, c'était le geste et l'acte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, un point que l'on précise également et qui est en relation avec les enfants, ou plus précisément rizq, c'est-à-dire ce qu'Allah Azzawajal va nous donner comme enfant. Et on sait que bien entendu cela c'est un rizq qu'Allah Azzawajal il donne à qui il veut, il donne des enfants à qui il veut. Mais il faut savoir, et ça c'est une faïda que l'on donne, et c'est important à connaître pour le croyant et pour le musulman, et ça en réalité c'est pour compléter ce que l'on a donc cité, et quelle était cette dua, cette invocation que le musulman disait avant donc qu'il avait un rapport avec sa femme, que ce soit la première nuit et toutes les autres nuits qu'il va passer avec sa femme ou ses femmes. Et donc ce rappel que l'on donne, et qui est tout simplement que le cœur du musulman doit toujours être rattaché Allah subhanahu wa ta'ala, un rappel continu.
et qu'ils sachent que c'est Allah Azzawajal qui donne ce risque. Et combien de gens, combien de musulmans s'impatientent devant l'absence de ce risque qui concerne bien entendu les enfants. Et un conseil qui est donné et que l'on va retrouver dans des versets du Coran et qui est demander à Allah Azzawajal le pardon. Et que le fait de demander le pardon est de façon continuelle et donc d'être rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala et d'être un musulman et un croyant sincère, ça va permettre et ça va être une des causes justement de la venue de cet enfant. Et c'est pour ça qu'Allah Azzawajal yaqul fi kitabi faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. J'ai donc dit implorer le pardon de votre Seigneur car il est grand pardonneur. Donc regardez, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. J'ai donc dit implorer le pardon de votre Seigneur car il est grand pardonneur. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes. Et bien entendu, de par ces pluies va ressortir un risque de la terre, les fruits, les légumes et tout ce qu'on a besoin. وَيُمْدِدُكُمْ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Et il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Donc regardez également ici ce qu'il est cité. Il vous donne beaucoup de biens et d'enfants. Et ça précédé, qu'est-ce qu'il a été précédé dans ce verset? Al-Istighfar, la demande de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, dans l'autre verset, ça, ce verset, il se trouve fi surat Nuh, qui est le verset 10, 11 et 12. Et dans un autre verset également, il dit Allah Azza wa Jal, « وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ. Ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui pour qu'il envoie sur vous du ciel des pluies abondantes et qu'il ajoute force à force, et qu'il vous donne donc de la force. Il vous donne donc ce risque qu'Allah Azzawajal a cité dans le verset précédent et également dans ce verset. Et on voit qu'à chaque fois, il est précédé à l'istighfar, c'est-à-dire à la demande de pardon. Donc ça, c'est une chose qui est importante. C'est-à-dire que le croyant, jamais il ne désespère d'Allah Azzawajal, même s'il n'a pas eu un risque, et si ça se fait attendre. Et combien de gens ont entendu une longue période? Certaines personnes, 5 ans, certaines personnes, 7 ans, certaines personnes, même 10 ans. Au bout de 10 ans de mariage, le risque il est venu. Donc la personne, elle ne désespère pas. Elle s'en remet à Allah Azzawajal uniquement. Et elle ne tombe pas dans ce qui va l'écarter, au contraire d'Allah, de par le shirk. Wallah al-musta'an, comme on peut voir de beaucoup des gens qui rentrent dans le shirk lorsqu'ils demandent à un autre qu'Allah Azzawajal. Et qu'ils croient que cela n'est pas uniquement auprès d'Allah, cette pourvoyance, que ce soit donc risque de façon générale ou que ça concerne les enfants. Ensuite donc, comme on l'a dit, et lorsqu'on a parlé donc de cette première nuit également, on a dit qu'on allait parler et détailler ce qui est en relation avec la relation entre l'homme et la femme. Et lorsqu'on dit bien entendu la relation, c'est celle qui est intime. Et que les lois de l'islam sont descendus pour prouver aux gens et pour leur montrer où était la bonne voie dans cela. Et parmi les versets qui sont descendus, on va citer deux versets. Et ces deux versets vont nous faire comprendre une base essentielle par rapport à cela, par rapport à ce domaine-là. C'est que, à l'origine et à la base, au niveau de la relation, c'est la permission, sauf ce qui va venir comme preuve évidente du livre d'Allah Azzawajal ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui va mettre donc ou qui va nous rapporter de façon claire ce qui est interdit et ce qu'on ne peut pas faire durant donc cette relation. Et parmi les versets que l'on cite
est l'un des plus connus. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Surat al-Baqarah, qui est le verset 223. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Donc vos femmes sont un champ. Sont un champ donc pour vous. Fa'tu harthakum anna shi'tum. Alors venez à votre champ comme vous le voulez. Anna shi'tum. Comme vous le voulez. Ça, c'est le premier verset. On va revenir sur son explication et pourquoi elle est descendue. Le deuxième verset également qui va nous prouver la permission dans la relation de façon générale. C'est également un verset qui se trouve sur surat al-Baqarah et qui est le verset 187. Wallah azajal yaqul Uhilla lakum laylata as-siyam ar-rafathu ila nisa'ikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun wa antum libasul lahun Uhilla lakum laylata as-siyam ar-rafath. Donc il vous a été permis durant la nuit du jeûne, ce terme qui nous est donc rappelé et qui est le terme ar-rafath. Et comme l'ont cité beaucoup de savants, et parmi eux l'imam al-Baydawi fi tafsiri ar-rafath kinayatun an al-jima', donc c'est une expression, on veut dire par cette expression al-jima', c'est-à-dire donc la relation. Donc il nous a été permis durant la nuit du jeûne ar-rafath, donc al-jima', donc l'acte et le rapport intime. On vous a permis durant donc la nuit du jeûne d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous un vêtement pour elles. Donc ça, c'est des versets qui nous prouvent de façon générale que la relation elle est permise et que cette relation elle est permise de façon générale par rapport aux actes et autres. Et ce qui va donc venir dans le Coran ou la Sunna restreindre ce qui est permis en faisant passer par exemple un geste ou un acte de la permission à l'interdiction, c'est ce qu'on va voir à travers donc les versets et à travers également les hadiths. Et pour revenir donc à cela, on va reprendre ce verset du Coran qu'on a cité. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Et il faut savoir que ce hadith, ou un des hadiths qui nous prouve la descente, ou comment est descendu et pourquoi est descendu ce verset. Pourquoi est descendu ce verset ? Qui est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, hadith Jabir, qui nous apprend كانت اليهود تقول, c'est-à-dire que les juifs disaient إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبولها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسيرها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج. Donc du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, bien entendu, ça s'est passé à Médine. Et on sait que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il y avait des tribus de juifs qui vivaient avec les Ansar, qui vivaient donc avec les gens de Médine, les Arabes de Médine. Et eux, ils avaient des habitudes et ils avaient des règles qui revenaient donc à leur religion. Et parmi ce que eux, ils avaient, qu'ils appliquaient comme règles, c'est que la personne n'avait pas le droit de venir derrière sa femme, c'est-à-dire donc avoir un rapport de par la position arrière. Et on veut dire par cela, bien entendu, pour ce qui est du sexe de la femme. Et il disait donc, ceux qui font cela, l'enfant qui viendra à partir donc de cette relation, il sera louche. C'est-à-dire qu'il naîtra, il sera louche. Wa'alala aslala, c'est-à-dire que c'est une règle qui n'a aucune relation par rapport à la religion. C'est pour ça que ce verset il est descendu. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Et ensuite le prophète sallam il a dit donc à partir de ce tafsir qu'on vienne de par devant la femme ou de par derrière la femme. Idha kana dhalika fil farj. Si cela bien entendu est dans le sexe même de la femme. Tayyib. Donc de par cela on va s'apercevoir qu'il est strictement interdit que l'homme vienne et a une relation par l'anus de la femme.
Ça, c'est strictement interdit, on va le voir. Est-ce qu'on appelle ad-dubur? Ce qu'on appelle donc ad-dubur, et qui est le deuxième orifice de la femme. Et ça, bien entendu, on va voir les hadiths, et on va voir même la catégorie de ce péché. Wallah al-musta'an. Ensuite, également, pour avoir plus de renseignements par rapport à cela, il y a également une explication du Ibn Abbas qui se trouve auprès de l'imam Al-Hakim dans son Fil Mustadrak, et également auprès de l'imam Abu Daoud Fi Sunan, et qui a également une autre voie, ou plutôt une autre chaîne de transmission auprès de l'imam Al-Tabarani Bi Sanadin Hassan, donc une sanad, chaîne de transmission qui est Hassan, où il disait Kana hadha al-hayy min al-ansar wa hum ahlu wathan ma'a hadha al-hayy min al-yahud wa hum ahlu kitab وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم. C'est-à-dire donc qu'ils habitaient les Ansar dans un quartier, et eux, bien entendu, ils adoraient les statues. Alors que les Juifs, ils habitaient avec eux dans un quartier. ومع هذا الحي من اليهود وهم أهل الكتاب وهم أهل الكتاب. C'est-à-dire que qu'ils faisaient partie, bien sûr, des gens du livre. C'est-à-dire qu'ils avaient un livre qui leur était descendu. Et ils voyaient, bien entendu, les Ansar par rapport aux Juifs, qu'ils avaient donc un mérite sur eux, par rapport à ce qui est de la science. Donc cela a engendré qu'ils les prenaient comme exemple et comme modèle dans beaucoup de leurs actes. Ça, c'est ce qui se passait entre les Ansar, qui suivaient donc les Juifs dans beaucoup de leurs actes. Tout simplement parce qu'on l'a expliqué, comme il est dit dans ce hadith, ils voyaient qu'ils avaient donc un fadl, alayhim fil ilm. وكان من امر اهل الكتاب ان لا ياتوا النساء الا على حرف. C'est-à-dire donc tout ce qui faisait partie donc des règles des gens du livre, ici bien entendu les Yahoud, les Juifs, qu'ils ne venaient pas ou qu'ils n'approchaient pas leurs femmes illa ala harf. Qu'est-ce que veut dire ce terme al harf? C'est-à-dire ala jambin. Ala jambin, yani de par côté. وذلك استر ما تكون المرأة. Et cela bien entendu était, c'était la position où la femme elle était la plus cachée. فكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا. Alors que bien entendu le quartier où vivaient eux Quraysh, يشرحون النساء شرحا, c'est-à-dire donc qu'ils avaient une relation, معنى الشرح يعني qu'ils avaient une relation avec leur femme, que ce soit donc de devant ou que ce soit de derrière, et bien entendu bilfarj, c'est-à-dire par le sexe de la femme. Ça, c'était leur habitude. طيب ويتلذذون بهن مقبلات مدبرات مستلقيات, c'est-à-dire donc qu'ils prenaient plaisir avec leur femme, que ce soit de devant, que ce soit en position donc de devant, en position de derrière, ou alors qu'elles étaient مستلقيات, étendues. فلما قدم المهاجرون المدينة, comme tout le monde le sait, il y a eu ensuite la hijra. Et donc Quraysh, les gens de Quraysh, et bien entendu donc les premiers croyants qu'ils ont fait donc leur hijra à Médine, ils sont venus bien entendu avec leur habitude qui n'était bien entendu pas en contradiction avec la religion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tazawwaja rajulun minhum imra'atan min al-ansar. C'est-à-dire qu'un homme parmi eux, parmi Quraysh, c'est-à-dire bien sûr parmi les musulmans de Quraysh, donc al-muhajirun, ceux qui ont fait la hijra, les exilés, il s'est marié avec une des femmes de parmi les Ansar. فَذَابَ يَسْنَعُ بِهَا ذَلِكَ, c'est-à-dire qu'il a fait cela, ce qu'on appelle le sharh, par rapport donc à la femme. Donc il a eu un rapport avec elle dans plusieurs positions. فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ, c'est-à-dire donc qu'elle l'a réprimandé par rapport à cela, par rapport à cet acte. وَقَالَتْ إِنَّمَا كُنَّ نُوتَ عَلَى حَرْفٍ, les hommes avaient un rapport donc avec nous à la harfin, c'est-à-dire de par côté. فَاسْنَعْ ذَلِكَ, c'est-à-dire donc elle lui dit Imma, tu fais ça, soit tu fais cela avec moi, ou alors tu t'écartes de moi, c'est-à-dire donc avuma, c'est-à-dire jusqu'à que cette affaire est devenue pesante et s'est répandue. Et cela est même venu aux oreilles donc du prophète, il a entendu cela. يعني بذلك موضع الولد, c'est-à-dire donc ce verset ensuite il est descendu
Et il a autorisé de par ce verset, donc on comprend de par ce verset, d'avoir un rapport avec la femme de devant, de derrière, qu'elle soit étendue, etc. Et bien entendu, يعني بذلك موضع الولد, c'est-à-dire donc l'endroit où sort l'enfant, et bien entendu qui est donc le sexe même de la femme. Et donc par là, c'est un verset qui va venir restreindre uniquement cet endroit-là, ou cet orifice, et que l'autre orifice est strictement interdit. Et c'est ce qu'on va voir donc dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il y a des hadiths qui sont plus que clairs dans cela. Et parmi ces hadiths, ce hadith qui est rapporté par l'imam An-Nasa'i et qui est un hadith authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a dit dans ce hadith, la yanzuru Allah ila rajulin yati imra'atahu fi duburiha. Regardez donc, Allah Azzawajal ne regardera pas et ne regarde pas un homme qui approche sa femme de par son anus, Allah al-Musta'an, et donc qui pratique cet acte-là. Et lorsqu'on voit cette love, la yanzuru Allah, Allah Azzawajal ne regarde pas, on va comprendre de par là al-kabira, c'est-à-dire un grand péché. Un grand péché. Et ce qui va venir appuyer l'importance de ce hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud, Wan-Nasa'i, Tirmidhi et d'autres encore, qui est un hadith authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul, man ata ha'idan amra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima an unzila ala Muhammad. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Allah musta'an. Celui qui vient donc ou qui s'approche de sa femme alors qu'elle est en état ou qu'elle a les règles, qu'elle a ses monstrueux. Bien entendu, ici, ça va être la deuxième chose qui va être interdite durant la relation, que l'on va voir également dans d'autres, non seulement des versets, également d'autres hadiths. Amra'atan fi duburiha. Ou alors qu'il a approché sa femme de par son anus, et donc qui a pratiqué cet acte-là. Aw kahinan fasaddaqahu. Ou alors un devin, ceux qui lisent donc l'avenir, qui prétendent lire l'avenir, fasaddaqahu. Et qu'il l'a bien entendu rendu vrai ce qu'il a dit, qu'il a cru en ce qu'il a dit, bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Il a donc le terme ici, le verbe employé, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, c'est-à-dire donc qu'il a mécru en ce qui est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur Muhammad, ala Muhammad, c'est-à-dire donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Donc il a fait ici, de manière claire, un acte de kufr, c'est-à-dire donc un acte de mécréance, Allah al-Musta'an. Donc on voit l'importance de cela. L'importance non seulement ici, de celui qui vient ou qui fait cette pratique-là, et également celui qui approche de sa femme, donc qui a un rapport, parce qu'on dit approcher, bien sûr, c'est un rapport, man ata, sa femme lorsqu'elle est en état de menstruer. Jusqu'à que Ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma, Ibn Omar, Abdullah Ibn Omar, dans un hadith qui est rapporté par l'imam An-Nasa'i et d'autres, bisanadin sahih, avec une chaîne de transmission authentique, où une personne est venue le voir et qui est Sa'id Ibn Yasar et qui a dit à Ibn Omar, inna nashtari al-jawari, donc on achetait les femmes esclaves, fanumahidu lahun qala wa mattahmid, c'est-à-dire donc qu'on achetait les femmes esclaves, servantes, fanuhammidu lahunna. Et donc ce terme, qu'est-ce qu'il veut dire? Et c'est ce qu'il va poser comme question, Ibn Omar. Wamattahmid, fakultu, na'tihinna fi adbarihinna. C'est-à-dire que nous venons donc, et que nous avons un rapport dans ou par l'anus. Qal ouf, aw yaf'al dhalika muslim. Donc il s'est étonné. Il a dit ouf. Il a dit, est-ce qu'il fait cela un musulman? Est-ce qu'un musulman fait cela? Donc regardez comment et de façon claire Ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma, il va donc réprimander cet acte-là. Et il va dire, ah oui, yaf'al dhalika muslim. Est-ce qu'un musulman il fait cela? Et encore d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques et qui viennent de manière claire interdire cela. Beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est parmi ceux qu'on a cités. Donc c'est un acte qui est interdit. Et on voit
parmi les gens, ceux qui pratiquent cela et qui disent au nom de l'islam, Allah al-Musta'an, que c'est jaïz, que c'est permis, et ce sont les Shia, ce sont les chiites, qui eux permettent d'avoir ce rapport et ce style de rapport avec leurs femmes, et qui disent que c'est permis dans l'islam. Ayadan billah, ayadan billah. Donc au niveau du rapport, on voit que non seulement ils ont permis cela, et également on voit qu'ils ont permis ce qu'on appelle zawaj al-muta, donc qui est le mariage temporaire, le mariage de jouissance, et qui bien entendu qui a été permis au début de l'islam et qui a ensuite été interdit de façon claire et nette par les lois de l'islam. Ensuite, on a vu dans le hadith précédent, celui d'avant qu'on a cité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il était cité également al-ha'id, celle donc qui a ses menstrues, et qu'il est donc strictement interdit. Tayyib. Et non seulement il est interdit de par ce hadith, mais également par un verset du Coran, et qui fait surat al-Baqarah, qui est le verset 222. Wa Allah azza wa jalla yaqul wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbul mutatahhirin. Donc dans ce verset, Allah azza wa jalla, il va répondre à cette question qu'on a posée et qui concerne donc les règles et les menstrues. Donc il te demande, donc il te demande à propos des femmes pendant les menstrues, el mahir, ul huwa adha, donc dit, naam, il t'interroge sur la menstruation des femmes, naam, donc lorsque la femme, elle a ses menstrues, dit, c'est un mal, ul huwa adha, ul huwa adha, donc el adha, bien entendu, c'est un mal. Tata'adha bihi al-mar'a, c'est-à-dire que la femme, donc, ça lui cause des préjudices. C'est pour ça que c'était cité comme cela. Adha. Qul wa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid. Donc, c'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues. Et ne les approchez que quand elles sont pures. Et on va voir à quel moment on peut les approcher. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah, car Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Ça, c'est le verset du Coran qui est plus que clair. Et également ici, il va y avoir une mukhalafa, c'est-à-dire donc que les gens de l'islam, de par ce verset et en l'appliquant, ils vont donc tout simplement contredire les gens du livre. D'un côté les juifs, ceux qui, durant l'état de la femme, c'est-à-dire lorsqu'elle a ses menstrues, il l'a délaissée complètement, il ne mangeait même pas avec elle. Donc un irtizal tam wa kamil. Alors que beaucoup des gens parmi les chrétiens avaient des relations avec leurs femmes même dans cet état-là, et ceux qui les ont suivis. Donc on voit que l'islam est venu sur le juste milieu par rapport à cela. Et comme on le verra, elle a permis à l'homme qu'il a un rapport avec sa femme, et lorsqu'on dit un rapport ici, c'est tout ce qui est en relation avec le rapport intime, sauf bien entendu l'acte sexuel en lui-même. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, dans le hadith qui est rapporté auprès de l'imam Abu Daoud et d'autres encore, qui est un hadith authentique, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ثم صنع ما أراد. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait donc de sa femme, ou de la femme, bien entendu, de sa femme qui était en état d'impureté, donc qui avait ses règles, lorsqu'il voulait quelque chose, de par là donc, il voulait jouir d'elle, alqa ala farjiha thawban. Donc il plaçait, ou il donnait donc à sa femme, thawban, un habit, ou un tissu ou autre, qui allait donc recouvrir le sexe de la femme. Alqa ala farjiha thawban. Donc placé, il plaçait donc à cet endroit-là un thawb, de façon générale, un habit, un tissu, etc. Thumma sana'a ma arada. Et ensuite il faisait ce qu'il voulait. Donc voilà ce qu'était la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui est permis.
Et bien entendu, également, dans un autre hadith, qui est lui aussi authentique, qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَاسْنَعُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحِ وَاسْنَعُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحِ. C'est-à-dire donc, faites ce que vous voulez, bien entendu avec vos femmes, وَاسْنَعُ كُلَّ شَيْءٍ, faites ce que vous voulez, إِلَّا النِّكَاحِ, sauf ce qu'on appelle النِّكَاح. Et on avait vu, dans les premiers cours, que النِّكَاح, soit on voulait dire l'acte lui-même, الوط, ce qu'on appelle الوط, ou on voulait dire également l'acte de mariage. Et bien entendu, de façon claire, ici, c'est marna et c'est l'wat, c'est-à-dire donc l'acte intime en lui-même. Donc il est interdit de faire cela, et à part cela, on fait ce que l'on veut. Wasna'u kulla shay'in illa nikah. Donc illa al-jima', comme l'ont rappelé les gens de science. Et une question qui va se poser ici, c'est que dans le verset du Coran, il est dit, surat al-Baqarah, donc ce verset, وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Ici il est dit donc, et ne les approchez que quand elles sont pures. Donc à quel moment elles sont pures? Ça c'est une question qui se pose, et que bien entendu, pour celui qui est nouvellement marié et qui peut-être n'a pas la connaissance par rapport à cela, à quel moment il lui est permis d'avoir donc ensuite un rapport avec sa femme? Bien entendu, hatta yathurna, tayyib. Donc ici on va comprendre, et de manière claire, que c'est bien entendu au moment où les règles, où l'écoulement de sang va s'interrompre. Donc elle n'a plus ses règles. Au moment où elle n'a plus ses règles, qu'est-ce qu'elle doit faire la femme? Elle doit non seulement nettoyer ses parties intimes, mais faire ce qu'on appelle l'irtisal. Al-irtisal, donc c'est avoir donc, laver donc tout son corps. Laver donc tout son corps, ce qu'on appelle donc al-irtisal. Al-irtisal ma'ruf al-shar'i, celui donc qui est connu dans la législation, c'est ce qu'elle doit faire. Tayyib. Mais ici, est-ce qu'il suffit à la femme? Ça bien entendu, c'est pour qu'elle puisse ensuite avoir ou faire des actes qui sont en relation avec l'adoration et qui lui étaient interdits auparavant. Comme bien entendu la prière, et comme bien entendu également un psaume, c'est-à-dire le jeûne. À partir du moment où elle s'est purifiée, de par cette al-irtisal, et si je dis ça c'est important, de par cette al-irtisal, donc at-tur-una, c'est-à-dire donc cette purification, elle peut ensuite faire des actes d'adoration. Pour ce qui est du al-jima, donc pour ce qui est de l'acte sexuel, à quel moment elle le fait? Il faut savoir que la plupart des savants, jusqu'à ce que Ibn Kathir a dit, وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء. C'est-à-dire donc, il dit Ibn Kathir, que les savants sont tous d'accord, et on verra lorsqu'il dit tous d'accord, il y a bien entendu ici des exceptions. على أن المرأة, donc ils sont tous d'accord pour dire donc que la femme, lorsque ses règles s'interrompent, qu'elle n'est pas permise donc à l'homme jusqu'à qu'elle se lave, c'était donc le lavage connu et complet, bilma, avec l'eau. Avec l'eau. Tayyib, et bien entendu, tayammum, dans le cas où il n'y a pas l'eau. Tayyib. Donc ici on comprend que la plupart des savants ont dit qu'elle doit faire donc al-irtisal. Tant qu'elle n'a pas fait donc al-irtisal, l'homme ne peut pas avoir une relation avec sa femme. Ça c'est l'avis de la plupart des savants. Et d'autres savants, ils sont très très peu, même parmi certains des salafs, comme va nous le préciser certains savants, comme Shir al-Albani et d'autres, et qui ont en fait l'avis de Ibn Hazm, qui est l'avis de Ibn Hazm al-Zahiri, et qui voit, lui et ceux qui ont été de son avis, que la femme, si elle fait une de ces trois choses, il est permis à l'homme qu'elle ait un rapport ou qu'il ait un rapport avec elle, qu'il soit ras le dam, c'est-à-dire donc laver bien entendu ses parties intimes du sang, ou alors el wudu, ou bien l'ablution, donc la simple ablution, ou alors l'irtisal, ou alors bien entendu ce qu'on a dit l'irtisal, le lavage complet du corps. Si elle fait une de ces trois choses, alors elle est rentrée dans le verset ici, fa'idha tatahharna,
c'est-à-dire donc at-tatahur. Elle est rentrée donc dans ce verset, de par cela. Et donc il va voir lui l'imam Ibn Hazm, et ceux qui l'ont suivi, parmi les contemporains, l'imam Al-Albani, rahmatullah al-jami'a, ils vont voir que si la personne ou la femme fait une de ces trois choses, pourquoi cela? Parce qu'auprès d'eux, ça rentre dans le terme at-tatahur, ça rentre dans ce terme. Que l'on dise rasl al-dan, qu'on le dise al-wudu, qu'on dise al-irtisal, ça rentre dans ce terme-là, at-tatahur, donc qui est la purification, l'acte de purification. Donc si la femme elle fait une de ces trois choses, même si elle n'a pas fait l'irtisal, tayyib, il est permis à l'homme d'avoir une relation. Mais pour revenir donc ici à l'explication de ce verset, parce qu'on va voir qu'ils vont se baser à ce verset, sachant qu'il n'y a pas une preuve au niveau de la sunna qui vient parler de al-irtisal, sauf dans un hadith qui est rapporté par Ibn Abbas et qui est un hadith non authentique et qui est le suivant: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ مِمْرَاتَهْ فِي الدَّمِ, donc bien entendu celui qui vient ou qui approche sa femme et qui a donc une relation, فِي الدَّمِ, et bien entendu ici par là دَمْ الْحَيْدِ, parce que sa femme donc elle est monstrueuse, فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارِ, alors donc qu'il fasse une aumône d'une valeur d'un dinar. وَإِذَا وَطَأَهَا وَقَدْ رَأَتَ الطُّهْرِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنَصْفِ الدِّينَارِ, et si donc il a un rapport avec elle alors qu'il a vu qu'elle était purifiée, c'est-à-dire dans le sens ici, c'est-à-dire qu'elle a vu qu'il n'y avait plus d'écoulement de sang, donc qu'elle était devenue pure, que les menstrues s'étaient interrompues, walam tartasil, et qu'elle ne s'est pas donc lavée tout entière, donc à l'irtisal ici, le lavage du corps, faliyat asaddaq binasf dinar, donc elle, qu'il fasse l'aumône, donc la personne qu'il fasse l'aumône d'un demi-dinar. Mais c'est un hadith, c'est le seul hadith qui va venir en fait nous apporter ici une faïda qui est l'irtisal. Donc on va comprendre à partir de là qu'il ne nous est pas permis d'avoir l'acte avec la femme sauf après qu'elle a fait l'irtisal. Tayyib. Mais ce hadith, et bien entendu ça va être une preuve claire, il n'est pas authentique, comme l'ont rappelé beaucoup de savants. Et il y a un rawi qui se trouve à l'intérieur de la chaîne qui s'appelle Abdul Karim ibn Abi al-Mukhariq Abu Umayya Mujma' al-Dahfi, c'est-à-dire que la plupart ou tous les savants l'ont rendu non fiable. Donc on ne peut prendre le hadith de lui lorsqu'il est présent dans la chaîne de transmission. À la kulli hal, ça c'était le seul hadith qui se trouvait par rapport ici à la sunna, par rapport donc à la sunna. Et bien entendu, lorsqu'on dit la sunna ici, c'est la parole donc, et c'est la parole de Ibn Abbas marfou'an qui l'élève au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le hadith n'est pas authentique, donc on ne peut revenir à cela. Donc les savants ils vont diverger ici tout simplement par ce terme fa'idha tatahharna. Est-ce que c'est uniquement ici à l'irtisal, ou est-ce que également c'est ce qui va rentrer dans l'acceptation du terme at-tatahur, qui est donc soit l'odo, soit ras al-dam, ou soit l'irtisal? Mais il faut savoir qu'il y a une base au niveau des usuliyin, au niveau donc des gens spécialisés dans les bases de la jurisprudence, et qui disent que tout simplement, lorsque le terme est employé, que ce soit dans la Qur'an et dans la Sunna, on va donc l'accepter et le prendre en considération suivant son sens législatif. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire tout simplement que le sens législatif ici, et qui va être donc le plus proche, c'est al-irtisal. Pourquoi cela? Pourquoi? Parce que at-tatahur, ce terme at-tatahur, pour ce qui est de la femme qui est dans cet état, qui est donc en état de menstrue, ça va être al-irtisal. Et pourquoi cela? Comme on l'a dit, la femme ne sera pas complètement pure pour faire l'acte d'adoration que si elle a fait donc cet irtisal, c'est-à-dire donc ce lavage de son corps. Donc c'est al-ma'na al-aqrab, c'est-à-dire donc la signification, et bien entendu entre parenthèses, la signification législative ou le sens législatif qui s'applique à ce terme-là. C'est ce qui est le plus proche. Donc c'est dans ce sens que la plupart des savants ont compris ce verset. C'est dans ce sens donc qu'ils ont compris ce verset, et qui donc engendre que la femme doit se laver complètement pour que l'homme il ait un rapport avec elle. Tayyib. Donc la femme, à partir de là, lorsqu'elle a eu l'interruption de ses règles, elle se lavera complètement, et à partir donc du lavage, il lui sera permis, ou elle deviendra permise à son homme,
elle devient permise à son homme dans le sens où il peut avoir l'acte sexuel, même l'acte intime avec elle. Et qu'avant cela, il n'a pas le droit, avant al-irtisal. Wallahu ta'ala a'lam. Et donc, on a vu dans le hadith qu'on a cité auparavant, c'est la personne qui fait un acte et qui est cet acte-là qu'il vienne auprès de sa femme alors qu'elle est dans cet état-là. Bien entendu, ghalabatuhu shahawat, c'est-à-dire donc la passion et le désir a pris le dessus sur lui. Et qu'il a fait cet acte, wallah al-musta'an. Il l'a fait par désir, par passion, et non parce qu'il a vu que cela était illicite. Celui qui voit que cela est illicite, il sort de l'islam. Pourquoi cela? Comme l'ont rappelé beaucoup de savants, c'est que cela est connu dans les législations de manière claire. C'est-à-dire que personne ne peut ne pas savoir cette règle-là. Taïb, donc ici, c'est bien ici un qaïd, une restriction. C'est-à-dire que la personne, bien entendu, elle fait cela, mais elle fait cet acte-là par passion, par désir, et non parce qu'elle le voit ici. Si la personne fait cela, alors yantabiq alayhi hadith, hadith au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et qui est un hadith authentique, rapporté par Ashab Sunan, et également l'imam al-Tabarani, fil Mu'jam al-Kabir, et qui est un hadith authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que celui donc qui fait cet acte-là, yatasaddaq bi dinar, ou nasf dinar. C'est-à-dire que celui qui fait cet acte-là, il devra donc faire l'aumône ensuite. Donc ici, à titre de kafara, à titre donc d'expiation, il devra faire l'aumône d'un dinar ou d'un demi-dinar. Donc après, on fait le calcul par rapport, bien entendu, à ce que correspond un dinar dans notre monnaie. Et bien entendu, ici, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit bi dinar ou nasf dinar, c'est ici un khiyar. C'est-à-dire c'est un choix qui est donné, soit par un dinar complet ou la moitié d'un dinar. Et comme l'ont rappelé beaucoup de savants, ils disent tout simplement qu'il est voulu par là, on a donné le choix, ou le prophète s'en a donné le choix par rapport à la personne suivant son état. La personne qui est pauvre, alors elle donne un nasf dinar. La personne qui est douyassar, c'est-à-dire une personne qui a des largesses, qui est riche, qui a les moyens, elle donnera un dinar complet. Et même si cela a été rapporté, c'est-à-dire cela a été rapporté dans certaines versions de ce hadith-là, mais qui sont des versions non authentiques. À la kulli hal, ça c'est un ijtihad, et c'est ce qui a été vu par beaucoup de savants. Taïb, et une dernière chose que l'on va citer par rapport au cours, bien entendu il y a encore d'autres choses que l'on va voir, et qui sont en relation donc avec donc l'acte sexuel, parmi ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Mais avant cela, et on aurait pu le dire en début de cours par rapport au mariage, est-ce qu'il est préférable de se marier avec une femme qui va être vierge ou une femme qui ne va pas être vierge? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et la réponse, elle est venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui nous est rapporté par Jabir, radiallahu ta'ala anhu, et qui est le suivant. قال جابر قال جابر رضي الله تعالى عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما رجعنا وكنا قريبا من المدينة قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال أتزوجت donc Jabir nous dit qu'ils étaient donc en état de غزوة, qu'ils étaient donc partis pour un combat et qu'ils étaient donc revenus. Donc ils étaient à ce moment-là en train de revenir, au retour de cette razwa. « Wakunna qariban min al-Medina » Donc on arrivait près de Médine. Et Jabir va informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une chose qui lui est arrivée, qu'il a fait le mariage avec une femme. Il a dit donc, il a informé le prophète « Ya Rasulullah inni hadith wa ahdin bi'ursi » Donc il lui a dit de par cette expression qu'il venait juste de se marier avec une femme. Donc il était nouvellement marié avec une femme. Qal atazawajta, donc est-ce que tu t'es marié pour... Donc il lui demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, il va lui poser la question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, directement. Et il va lui dire, abikrun au thayyib. Est-ce qu'elle est donc vierge ou non vierge? Donc bikr ou thayyib ici, ce sont deux opposés. Al-bikr, bien entendu, c'est celle qui est vierge. Ult bel thayyib. Donc il va lui répondre,
Jabir qui s'est marié avec une femme qui n'est pas vierge. قال فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا. Donc il va, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui faire une réflexion. Il va lui faire comprendre à travers cette parole qu'il aurait été préférable pour lui qu'il se marie avec une femme qui soit vierge. تُلَاعِبُهَا. Il va expliquer pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire تُلَاعِبُهَا. وَالْمُدَاعَبَةَ أَوْ الْمُلَاعَبَةَ c'est quelque chose que l'on pourrait traduire par câlin, que l'on pourrait traduire par caresse, par baiser, etc. Et qui va en fait rentrer fil muqaddima, dans les préliminaires. Tula'ibwa. Et dans une autre version, le prophète sallam a dit Halla bikran tula'ibuk wa tula'ibwa. Donc tu t'amuses avec elle, s'amuse avec toi et tu t'amuses avec elle. Si on pourrait le traduire également par l'amusement, de façon générale, pour traduire donc ce terme. On va revenir à l'explication de ce hadith qui nous a été donné par Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahmatullah alayhi, qui va nous prouver à partir de deux aspects pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a préféré cela pour Jabir. Mais bien entendu, ici dans son cas là, Jabir, comme il nous a expliqué dans une autre version qui est également authentique, il va expliquer pourquoi il a fait ça, Jabir, et que ce n'était pas en fait qu'il y avait un intérêt derrière cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il va lui citer cet intérêt, il va, comme dans la version, qal fada ali, c'est-à-dire que Jabir va nous informer qu'il lui a fait une invocation. Et dans une autre riwayat qui est également rapportée, asabta, c'est-à-dire qu'il va lui dire tu as fait la bonne chose. C'est lorsqu'il va lui informer et il va lui dire ya Rasulullah, inna Abdullah mata wa taraka sab'a banat aw tis'an, c'est-à-dire que son père il est mort à Jabir. Il a délaissé derrière lui 7 jeunes filles ou 9 jeunes filles. Donc sous sa responsabilité. Faji'tu biman yaqumu alayhinna wa yuslihuhunna. C'est-à-dire que donc je suis venu en épousant donc cette femme et donc que j'ai à partir de ce mariage apporté une femme dans le foyer qui va s'occuper donc de ses filles et qui va les éduquer. Et bien entendu la femme qui a déjà été mariée Taïb qui a une expérience, etc., c'est elle qui est le mieux apte à s'occuper de ses filles, qui sont très jeunes, elles, par rapport à l'éducation, de façon générale. C'est dans ce sens qu'il s'est marié donc avec cette femme, Jabir. Et on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite fait da'ali, c'est-à-dire qu'il va lui faire des invocations. Da'alaou, il lui a fait des invocations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens où il a fait une bonne chose par rapport donc, à cet acte-là. Mais à la base, on voit donc à la base, avant que le prophète sallam n'ait connaissance de l'intérêt pour lequel Jabir s'est marié avec cette femme, il va lui dire, il va donc lui faire comprendre. فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا. Il va nous expliquer, Ibn al-Qayyim, une chose qui est importante. Une chose qui est très importante, mais simplement en résumant de ce qu'il a dit Ibn al-Qayyim, et qui est également la parole de beaucoup de shurrah, de ceux qui ont expliqué ce hadith, que ce soit Sahib Aoun al-Ma'boud et d'autres encore. Ils vont tout simplement faire apparaître ici cet aspect qui est important. C'est lorsque l'homme va se marier avec une femme qui est vierge et qu'il va être donc le premier à avoir un rapport intime avec elle et qu'il va donc être celui qui va dissiper sa virginité. Donc il sera le premier homme qu'elle va goûter, elle. Taïb, qu'est-ce que cela va faire naître en elle? Ça va faire naître en elle et ça va faire fleurir en elle un amour et qui est sincère et venant du cœur. Et cela donc va être par la suite beaucoup plus approprié pour assurer la continuité de la vie conjugale. Yani, dhalika akmal li dawam al-ishra. Inam. Et c'est vrai et réel. C'est lorsque la femme, elle n'a jamais connu d'homme et qu'elle va se marier donc pour la première fois avec celui qui s'est présenté à elle, et qu'elle aura la première relation avec cet homme-là, elle va s'accrocher à lui. Elle va s'accrocher à lui. Ce rapport-là, donc ce premier rapport, ça va faire naître en elle ce qu'on a cité, un amour. Et elle va s'accrocher beaucoup plus à cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'elle n'a connu personne auparavant. Personne d'autre, elle n'a connu auparavant que cet homme-là. Et ça, c'est très important. C'est un sentiment qui est naturel chez la femme. Ça va permettre donc
et assurer une meilleure continuité dans la vie conjugale dans le futur. Donc ça, c'est la première chose qu'il a citée, Ibn al-Qayyim. Et il a même fait allusion également à un hadith, ou plutôt à un verset du Coran, et qui est le verset suivant, et qui parle bien entendu des femmes du paradis, et qui va bien entendu ici être une grande qualité, et qui est le verset suivant, Wallah Azzajal yaqul, Lam yatmithunna insun qablahum wala jinn, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas eu, que ce soit d'homme ou que ce soit de djinn, il n'y aura eu personne parmi ces catégories de créatures qui les auront effleurées avant les croyants, donc par rapport à leurs femmes dans le paradis. Lam yatmithunna insun qablahum wala jinn. Donc on voit bien entendu que ce sont donc des vierges, des femmes qui seront vierges dans le paradis. Et il est même cité, comme fi hadith, al-hadith l'imam al-Tabarani fi al-Mu'jam, il nous l'a rappelé Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, que même les femmes du paradis, lorsque la personne elle aura donc un rapport avec elle, tayyib, automatiquement, après ce rapport, elle redeviendra comme elle avait été la première fois, c'est-à-dire vierge. Donc ça va nous donner le deuxième aspect de l'intérêt qui est donné à la femme qui est vierge et qui est tout simplement le désir en lui-même, ou plutôt ce qu'on pourrait dire le délice en lui-même, emnam, c'est-à-dire le délice même que l'on a lors du premier rapport avec une femme qui est vierge. Pour preuve donc, non seulement ce hadith, ou avant cela le verset, également pour preuve ce hadith qui nous informe comment seront notre rapport avec les femmes du paradis, et qu'elles reviendront toujours vierges. Donc ici, en ce sens-là, le désir sera encore plus fort et sera plus pur. Taïb. Donc ça, c'est le deuxième aspect qu'a rapporté Ibn al-Qayyim. Et également, il a rapporté, comme fil Sahih al-Bukhari, une parole de Aïcha qu'elle disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui dans ce sens prouvait le favoritisme qu'avait eu le prophète sallam pour Aïcha, dans le sens où il est la seule épouse qu'il a eue et qui était vierge. C'est pour ça qu'il était celle qu'il aimait le mieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses femmes. Lorsqu'on lui demandait quelle est la personne que tu aimes le mieux, il a dit Aïcha. C'est pour ça, qu'est-ce qu'elle disait à Aïcha? Elle disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Law nazalat wadiyan fi shajara. C'est-à-dire qu'elle faisait tout simplement l'allusion à un chameau, ou son chameau, s'il serait descendu dans une plaine, fi shajarun ou kilaminha, et que dans cette plaine-là, il y a un arbre qu'on a déjà mangé. Donc il y a déjà eu donc un chameau ou autre bête qui a mangé de cet arbre-là. Wa shajarun lam yu'kal minha, et donc un autre arbre dont on n'a pas goûté et qui est donc vierge. Donc aucune bête n'a goûté auparavant. C'est-à-dire donc dans lequel des deux arbres ton chameau va manger et va donc profiter. Et donc il répondait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans celui, il va tout simplement aller dans celui, dans l'arbre ou auprès de l'arbre dont on n'a jamais mangé ses fruits et ses feuilles. Taïb. Donc elle faisait allusion bien entendu à Aïcha, à son cas, et que par là, elle a été vierge par rapport donc à toutes les autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est également un point que l'on cite pour les frères qui désirent se marier. Et s'il n'y a pas donc un intérêt de manière claire, comme cela a été cité dans le hadith de Jabir, il est préférable pour l'homme qu'il se marie donc avec une femme qui est vierge. Wallahu ta'ala a'lam, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta. استغفرك وأتوب إليك